Après New York, Bruxelles ou encore Paris, un café joyeux vient d'ouvrir ce lundi en plein cœur de Strasbourg. Cette entreprise sociale et solidaire emploie des salariés qui présentent des troubles autistiques, une manière de changer le regard des clients sur le handicap. Et c'est aussi un tremplin pour ces personnes plus touchées que les autres par le chômage. Loïc Schaeffer et Thierry Sitter. Comme un rayon de soleil au cœur d'un Strasbourg un peu gris, vous êtes bien au Café Joyeux. On a passé devant, on voulait chercher les épices et ça nous a tout de suite attirés. Un décor sympathique, une équipe souriante, un accueil de qualité. Le Café Joyeux, une entreprise sociale et solidaire. Une vingtaine d'enseignes comme celle-ci existent en France et dans le monde. Le concept embauchait en CDI des salariés trisomiques ou présentant des troubles autistiques. Bonjour madame, vous voulez de l'eau ? De l'eau ? Oui. Après une semaine de rodage, Louis, 24 ans, okay, est déjà dans le rythme. Je vous ramène ça. Des fois je serai à la caisse, des fois je serai ici, des fois je fais les boissons. Je suis à fond et je suis à fond. Ça, c'est un crumble de pommes et on va le mettre au four. On la met au-dessus. Voilà. Les consignes, on essaie d'être le plus conscrit possible, le plus clair et de donner une tâche définie. On attend qu'ils aient fini et bien compris ce qu'ils entreprenaient pour passer à autre chose. Communication, patience, les clés d'un travail efficace appelé à faire changer le regard sur le handicap. Les personnes touchées par l'autisme ont trois fois plus de mal à trouver du travail en milieu ordinaire. Et pourtant... C'est génial de travailler avec des gens qui sont contents de venir travailler, qui ont toujours le sourire, qui ont toujours envie d'apprendre. Et en fait, on ressort de la journée, on n'a entendu personne râler, on n'a vu que des gens contents. Et en fait, ça change complètement aussi, nous, notre façon d'être au quotidien. Des doses de café, de thé, mais surtout de bonne humeur. Voilà ce que prépare Maëlle derrière son comptoir. Parler avec les gens, essayer de comprendre, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut aussi les servir, travailler ensemble. Comme une famille, quoi. Les bénéfices des Cafés Joyeux permettent aux salariés d'obtenir un diplôme via des formations et d'ouvrir de nouveaux établissements.